Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde dans tous ses états. Les voies du Seigneur sont impénétrables, vous connaissez le dicton. Et pour s'en convaincre ce soir, nous allons partir sur les traces de Dieu. C'est un sujet millénaire mais qui n'a rien perdu de son actualité. C'est vrai qu'on aurait pu croire qu'avec les progrès des sciences, l'essor d'Internet ou de l'éducation, que Dieu était sur le déclin. Eh bien, pas du tout. Et le plus étonnant, c'est même sa capacité d'adaptation, l'aisance avec laquelle il sert les ambitions les plus diverses, les mœurs et les traditions les plus contradictoires. Dieu a mille visages, autant d'idées, de lubies, d'interdits. En tout cas, croyant ou pas, vous risquez d'être surpris pendant cette heure et demie que nous allons passer ensemble. C'est parti. Et Dieu est partout, c'est à se demander s'il n'a pas créé un monde de fanatiques. En tout cas, il parle sexe sans tabou à Memphis, il s'énerve à Jérusalem contre tous ceux qui prennent leur voiture le jour du Shabbat. Dieu est aussi combattant en Grèce, où les orthodoxes protègent des criminels de guerre. Au Pakistan, où les talibans font carrément sauter des cinémas. Dieu aux multiples visages se fait polygame dans l'Ouest américain, adepte du mariage collectif, et oui, dans la secte Moon de Corée, ou encore détrousseur de pauvres pèlerins à la Mecque. Et Dieu croit bien faire sans doute, comme avec ses chrétiens du Cambodge, ou encore les homosexuels américains et les flics de la foi en Indonésie. Ainsi soit-il.